Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dimanche, voilà. Alors aujourd'hui, c'est un petit achat que j'ai fait chez Action, ce que j'avais vu sur le groupe Action, qu'ils avaient sorti des encres, des tampons en encreur. Donc je suis allée voir si dans mon Action ils les avaient, et ils les avaient. Voilà, donc tant mieux. Et je vous les montre aujourd'hui. Voilà. Donc vous les avez peut-être déjà vus passer dans des vidéos. J'ai pas encore regardé hein, au niveau des vidéos si d'autres youtubeuses les ont passées. J'ai pas eu le temps. Bon, je les ai achetés hier, donc j'ai pas encore eu le temps. Alors, il y a 6 paquets normalement. J'arrive pas à me rester. Elle m'énerve cette chaise de plus en plus. Normalement il y a 6 paquets et moi j'en ai eu 5. Donc bon, j'espère qu'ils vont en remettre et puis que j'aurai celui qui manque dans la semaine, peut-être, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Bon, c'est bête parce que celui qui manque me plaît justement. Mais bon, on verra. Donc je vais vous les montrer. Alors, je vous montre déjà le premier. C'est ces encreurs-là, voilà, en forme de goutte d'eau. Ils vont certainement vous rappeler certains encreurs d'une marque connue. D'ailleurs, bon, là, comme vous voyez sur le carton, c'est marqué Schalk Ink Pads. Pad, voilà, là, mon anglais est toujours aussi bon, vous voyez bien. Mais quand vous passez en caisse, sur le ticket de caisse, c'est marqué Memento. bon, la copie est là, mais bon, arrivé en caisse, ils mettent le vrai nom. Donc, quand on passe en caisse, c'est marqué Memento. Donc, la vraie marque. Mais bon, ça se débrouille, hein, c'est pas mon problème. Et donc moi, voilà. Donc j'ai, voilà les couleurs qui existent. Dans ceux que j'ai entourés, c'est ceux que j'ai. Et celui que je n'ai pas, hop, 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 c'est celui-là. Voilà, le numéro 3, voilà. Le numéro 3, je ne l'ai pas trouvé, il ne l'avait plus. Bon, je pense que je le trouverai peut-être dans la semaine, comme je vous ai dit auparavant. Mais bon, on verra. Alors, il y a dans chaque paquet, alors trois pads de couleur mat, normale, et un métallique. Voilà. Hop, comme ceci, c'est mieux. Donc là, c'est la série noir, gris, blanc. Là, c'est la série. Alors. Celui-là, c'est lequel? Calm Night, bon, ça fait un peu noir, hein. Oui, c'est un bleu très très foncé. Et après, trois autres sortes de bleu, non, deux sortes de bleu, un lavande, un bleu très un foncé aussi, et un bleu menthe, enfin plutôt un vert menthe, voilà. Je vais y arriver. Ici, on arrive dans le jaune. Alors, donc, le métallique, c'est la couleur. Excusez-moi, avec la lumière, j'essaye de. C'est le menthe, le métallique. Ici, on a du orange, du jaune et du or. Donc, l'or, c'est le métallique. Voilà. Donc, là, le premier, voilà, j'ai oublié de dire, c'est l'argent, le métallique. Couleur argent. Hein. Ici, c'est la série des verts. Donc le plus clair ici, c'est le métallique. Et ici, on a la série des roses. Voilà. Et le plus clair là, c'est le métallique. Voilà. Donc comme vous avez vu, je ne les ai pas encore ouverts, donc je ne sais pas ce que ça donne. On va voir ça ensemble. Je vais me prendre un petit tampon
n'importe lequel, hein, on va voir. Je vais essayer ça sur une feuille de cardstock. Voilà. Puis on verra ce que ça donne. Je vais prendre sur le côté lisse, hein, parce que là, sur côté pas lisse, c'est côté lisse. Donc je vais prendre côté lisse. Oui, je suis n'importe quoi ce matin, mais bon. Je vais essayer là-dessus. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore vu beaucoup de retours sur Facebook, puisque c'est nouveau. Donc, j'ai vu quelques images, quelques photos avec des tamponnages de fées. Bon, ils ont l'air pas mal. Bon, bien sûr, c'est du action, comme d'habitude, hein, comme je dis souvent. Donc, puis il faut voir à l'usage combien de temps ça va durer aussi. Alors, le prix, c'est pour ça, il faut voir à l'usage combien de temps ça va durer, parce que c'est 99 centimes. Voilà, c'est pas le prix d'un vrai, hein. Heureusement, parce que si on vendait le prix, ce serait le prix d'un vrai chez Action, on commencera à se poser des questions. Donc, je vais vous changer la caméra, je vais vous remettre en plongeon, et puis on va essayer avec une couleur. Bon, je ne vais pas tous les ouvrir aujourd'hui, peut-être, mais de toute façon, je vous referai des vidéos en faisant des cartes. Comme ça, on fera des tamponnages pour des cartes, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite en plongeon. À tout de suite. Alors, me voici. J'ai envie d'essayer. Bon, le noir, je vais peut-être l'essayer après. Je verrai. Bon, je vais d'abord essayer les verts. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est le métallique. Je vais essayer lequel pour faire une grenouille. Je vais essayer celui-là. Donc, c'est le Fresh Apple Green. Voilà. Le numéro 3. Allez, on va faire la petite grenouille. Je n'ai encore jamais fait cette grenouille. La preuve, elle a du mal à se décoller. Allez, viens la grenouille. La petite grenouille. Alors, on va essayer. Je vais la faire avec Comme d'habitude, je cherche mes mots. Mais bon, vous aurez compris. Hein. J'ai oublié de prendre du sopalin. Mais bon, je vais peut-être avoir un bout de chiffon ici quelque part. Oh, j'ai fait tomber des tampons par terre. Hop. Alors, je dois toujours vous faire la vidéo de mon rangement de tampons. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Alors, je sais pas si c'est des tampons qui sèchent vite ou pas, ça, parce qu'ils le marquent pas. Ils ne marquent pas, donc bon, on va voir, hein, ce que ça donne. Je vais vous zoomer. J'aime pas faire avec ça. Oh, ça va. Désolé, ma grenouille. Une jolie grenouille verte. Ça va. Alors, un petit chiffon, Alors, un chiffon, je veux un chiffon. J'avais des vieux chiffons, là. Il y a des vieux calbutes. Il y a des vieux calbutes à mon mari qui sont là pour jeter. On va les prendre. Des vieux calbutes à mon mari. On rigole pas, hein. Par contre, il faudra que je nettoie avec de l'eau, je pense. On va voir. On ne rigole pas que je nettoie mes tampons avec un calbut.
Alors, est-ce que l'encre s'en va bien? J'aime bien ma petite grenouille verte. Oh, j'ai pas... On va refermer l'encre. Hein. C'est pas cher, mais bon, faut pas que ça sèche. Alors, ma grenouille reste un peu verte. Bon. Je pense qu'il faudra que je la passe au savon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, sur le papier, elle reste un peu verte. Voyez? Elle reste un peu verte. Bon, c'est rien. On nettoiera mieux après. Bon, on va mettre le calbut là. Donc, ça va. Alors, bon, on va rester sur la grenouille. Hein. Je voudrais essayer le métallique. Tant qu'à faire. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est celui-ci pour voir ce que ça donne. Donc, on va remettre la grenouille. Bon, quitte à foutre en l'air un tampon, je préfère. Non, je pense pas que je vais le foutre en l'air. Hein. Mais. Je pense qu'en nettoyant avec du savon, ça va aller. Voilà, voilà comment est la petite grenouille, si elle brille. Ah oui. Bon, c'est... Bon, j'ai peut-être pas mis assez d'encre. Alors, là, ça va être difficile à vous le montrer, le brillant. Pas si vous voyez que ça brille. Donc les deux. Mais ça brille. Ouais. Il y a le brillant. Alors je sais pas si vous le voyez. Bon, il y a le brillant. Alors maintenant, est-ce qu'avec le brillant, on sait bien le nettoyer? Je reprends le calbut. On va remettre de l'eau. Là, pour l'instant, j'ai que de l'eau sous la main. Bon, y a, vous entendez du bruit, mais ça, c'est parce que la table, elle bouge. Il reste des reflets de verre. Donc, je vais la nettoyer après avec une brosse à dents sous l'évier. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Je vais le nettoyer. Mais l'encre a l'air de tenir quand même sur le... Sur le tampon. Donc il faudra que je le fais au savon et à une petite brosse à dents. Parce que bon là c'est que de l'eau et en plus c'est de l'eau froide hein, du coup. Bon. C'est peut-être le point négatif ça. À voir. Donc bon le métallique, bien, bon là j'ai peut-être pas mis assez, j'ai peut-être pas assez tamponné, mais moi je le vois que ça brille. Vous voyez peut-être pas, je ne sais pas. J'essaierai de vous faire une vidéo de tout près pour que vous puissiez le voir. Allez, je vais tenter une autre couleur. Je ne vais pas tous vous les ouvrir. Bon, on va rester sur la grenouille, hein, je vous dis. Bon, celle-là, les... du coup, l'encre reste dessus, mais bon, on va voir. Par contre, ça m'embête que l'encre reste dessus, parce que ça va... Si ça reste vraiment dessus, ça va foutre en l'air tous les tampons. Quelle couleur vais-je essayer? Bah, le noir, tant qu'à faire. Du coup, on va essayer le noir.
Alors, le noir. On va essayer l'argenté d'abord. Et après, on essaiera le noir en dernier, puisque c'est la couleur la plus foncée. Allez, on va essayer l'argenté. Hop. Je remets ma petite grenouille. Pour voir ce que l'argenté donne. On va bien en mettre partout. Voilà. Et on va se tamponner sa petite grenouille argentée. Jolie. Alors, est-ce qu'elle brille? Oui. Donc voilà la petite grenouille argentée. Alors ça floute un peu, je pense. Voilà. Bon, l'encre est nette quand même, hein. Non, ça brille, hein. Ça brille quand on. Moi, je le vois bien brillant. Là, la caméra, vous le voyez peut-être pas bien. Alors, on va nettoyer. Je reprends mon calbut. Ça me fait marrer, cette histoire de calbut. Je vous rassure, hein, mon mari a encore des calbuts hein, dans sa commode. Là, c'est un vieux. Hein. Il est propre, hein. Il a été lavé. Hein. C'est parce que là, c'est des. On a fait un tri dans les vêtements. Donc, on a donné à. Comment ça s'appelle? Au relais, tous les vêtements qui pouvaient être donnés. Mais ça, on ne peut pas donner. Hein. Donc, ça, je vais découper je dois découper les élastiques et puis récupérer les tissus, vous savez, pour quand on fait de la peinture, les choses comme ça. Ou quand je fais du tampon. Voilà. Bon, là, l'argenté a l'air de s'en aller mieux. Mais vous voyez, le vert est toujours là. Hein. Ah, j'ai enlevé l'eau. Voilà. Allez, on essaye le noir pour finir. Je vais remettre le chapeau sur mon tampon. Donc, par contre, je ne sais pas comment. C'est pas encore tout à fait sec, hein. Donc c'est pas des encres qui sèchent tout de suite. J'ai l'impression. Alors, le noir. Bon, le noir est bien noir, hein. Ça se voit tout de suite déjà sur le tampon. J'aime bien ce petit tampon, je m'en étais jamais servi, mais je l'aime bien, tiens. Ça me donne des petites idées de cartes. Là. Oh, superbe. Super. Regardez. Nickel, hein? Nickel, nickel. Ben là, j'ai rien à dire pour l'instant sur les encres. Le noir est bien, bien noir. Les couleurs sont bien. Les brillants brillent bien. Donc, le seul défaut que j'ai l'impression d'avoir pour l'instant. Alors, s'il y en a qui les ont déjà achetés, donnez-moi votre retour justement sur les tampons.
Si vous aussi vous avez l'impression qu'il y a de la couleur qui reste sur vos tampons, ou si c'est juste moi là maintenant, parce que j'ai pas sous la main tout de suite ce qu'il faut pour nettoyer correctement. Je vais bien voir en allant nettoyer mon tampon sous le robinet, hein. Ce sera certainement mieux. Voilà. Mais donnez-moi quand même votre retour. Là, le noir, ça va. Et j'ai l'impression que le vert, c'est le vert. Je sais pas. Voilà. Faut que je vois avec les autres couleurs, voyez. Il reste un peu, toujours un peu vert. On verra. Donc voilà. Mes petits tamponnages. Oh. Non, j'aime bien. Ils ont l'air vraiment bien. Donc je ferai des essais plus tard aussi, voir bah, justement voir au niveau du séchage, voir après si je peux coloriser avec des feutres. Je vous referai des vidéos là-dessus. Voir aussi si avec je peux faire de l'embossage. Parce que je vous dis, j'ai l'impression que ça ne sèche pas tout de suite. Donc si ça ne sèche pas tout de suite, je peux faire de l'embossage. Donc ce sera des vidéos à refaire dessus. Hop, hop, hop. Voilà. C'est mignon, hein, mes petites grenouilles. Donc ça, je crois ne pas. Oui, je ne me trompe pas d'ailleurs. C'est la planche. Voilà. C'était cette planche-là. D'action. C'est une ancienne planche. J'adore cette petite grenouille. Pourquoi je m'en suis pas encore servie? Ma mince alors. Donc voilà. Bah, c'était ma petite vidéo du jour. Donc pour vous présenter ces nouveaux tampons d'action qui me semblent pas mal. Voilà. Donc là, moi je vais nettoyer ça sous mon robinet en bas. Je pense que ça devrait aller. Je vous remettrai mon impression à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense, hein, si j'ai bien réussi à nettoyer le tampon ou pas. Et vous, si vous les avez, bah dites-moi si vous avez une mésaventure aussi au niveau des couleurs, si c'est resté, s'il y a un peu de couleur qui est restée sur le tampon ou pas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bientôt. Oh, bientôt, bientôt. N'importe quoi, la fille. À bientôt, gros bisous.